Hello hello tout le monde, c'est ici sa bicyclette, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons pour découvrir mon tout nouveau vélo BMC Team Machine 01 à disque. Alors chose importante à savoir avant de rentrer plus en détail sur cette véritable machine à rouler. Alors je vous avoue qu'il n'était pas prévu que je change de vélo de contre la montre cette année, puisque pour rappel en 2016 je vous avais déjà présenté un BMC Team Machine 01. Je vous invite à aller voir si vous le désirez. Alors, je vous laisserai bien sûr le lien en dessous dans la description. Alors malheureusement ce vélo a connu un accident qui lui a été fatal. Alors je venais de terminer une série de 3 tours à bloc de mon parcours d'entraînement. Je vous laisse aussi le lien en description. Et j'étais en phase de récupération à 40 km/h quand j'arrive dans un carrefour où je suis prioritaire. Et juste au moment où j'atteins cette intersection, une voiture qui attendait pour passer démarre soudainement devant moi. Alors je bloque les freins pour partir en travers pour finalement m'écraser comme un vulgaire moustique sur la porte côté conducteur. Alors moi j'ai eu de la chance, je n'ai rien eu de cassé, par contre mon vélo comptait plusieurs fractures si on peut dire, le rendant irréparable. Alors voilà pourquoi cette nouvelle présentation du Team Machine 01 2020. Alors il y a quelques gros changements envers celui de 2016. Le premier plus important changement notable est celui des freins à disque. Alors j'ai choisi des freins à disque pour une bonne raison, l'efficacité du freinage qui n'a pas toujours été présente sur ce type de vélo monté en patin, surtout lors de freinages brutaux ou à grande vitesse. Les roues ont tendance soit à bloquer, soit à ne pas freiner suffisamment. Alors je garde d'ailleurs un mauvais souvenir plutôt mémorable et encore une histoire de plus à vous raconter, puisque toujours lors de l'un de mes entraînements, une route était temporairement fermée à la circulation pour laisser passer les supporters d'une équipe de foot, sauf que le panneau indiquant notre route fermée était posé sur une barrière devant laquelle une voiture était garée, donc difficile pour moi de voir le panneau. Je passe à côté de la voiture poursuivant ma route quand dans une légère courbe je vois un policier sur la gauche de la route qui traverse droit devant moi dans le but de m'arrêter. Mais ce malheureux, au lieu de me faire signe de ralentir et de s'arrêter, même essayer de crier qu'on ne peut pas passer, que la route est fermée, il s'est posé droit devant moi, prêt à m'attraper au vol, et moi à 40 km/h, quand il ne vous reste plus que 10 mètres pour vous arrêter complètement, je vous dis, j'ai vraiment eu très peur. Du coup j'ai tout bloqué et fait un magnifique stoppie, il faut dire, très propre, ma roue avant s'arrêtant net à quelques millimètres de son entrejambe. Alors j'ai trouvé son action complètement stupide et dangereuse, surtout qu'un cycliste en vélo de ville roulant sur le trottoir passe tranquillement à côté au même moment sur ma droite, ça frise le ridicule. Enfin bref, revenons à nos freins à disque. Durant cette année, j'ai pu tester son efficacité, que ce soit dans les descentes rapides où j'ai facilement atteint les 90 km/h, ou des descentes un peu plus techniques pour un freinage sans aucune contrainte et tout en douceur, sans aucune vibration, tout en gardant une parfaite maniabilité. C'est ainsi en toute confiance que j'ai pu éviter 3 tentatives d'accident en freinant très fort sans pour autant bloquer les roues, tout en gardant le contrôle, m'arrêtant parfaitement avant de taper la voiture. A noter aussi que BMC a doté les freins de coque de protection pour une meilleure côté aéro, tout en gardant un parfait refroidissement. Mais qui dit frein à disque dit forcément nouvelle roue. Alors j'ai longuement hésité entre reprendre une roue lenticulaire à l'arrière comme j'avais sur le précédent, et après avoir énormément roulé avec une roue pleine, je me suis rendu compte qu'elle était efficace dans les longues lignes droites. Et plus je montais dans les distances et la difficulté du parcours, plus j'avais la sensation de me fatiguer, surtout dans les relances, à savoir que je circule sur une route ouverte et que forcément je n'ai pas toujours la priorité, et il faut bien respecter les règles de circulation. C'est pourquoi, pour éviter de me faire bouffer de l'énergie inutilement, j'ai opté pour une roue à rayon avec un profil moyen.
Alors vous les aurez déjà reconnus puisque ce sont les Roval CLX 64 Rapide, à savoir que 64 n'est autre que la hauteur de la jante avec 24 rayons. Alors deuxième point important qui m'ont fait choisir ce type de roue, alors à la place des Maverick Comet par exemple, ce sont ces roulements en céramique. Alors vous me direz que de nombreuses marques de roues proposent ce type de roulement, mais il y a quand même une certaine différence de prix entre chaque marque. Mais le prix n'est pas tout de même le plus important. Certes, cela ne reste pas bon marché, comme je l'ai dit, mais c'est tellement agréable de sentir votre vélo accélérer en utilisant moins de force, et quand vous arrêtez de pédaler, vous n'avez pas cette sensation de décélération de vos roues comme si elles voulaient vous freiner. Alors de plus, elles sont très résistantes, légères et maniables, que ce soit avec du vent de face ou latéral, vous n'avez pas cette impression d'être embarqué. Pour ce qui est de la transmission, elle a été entièrement récupérée sur notre défunte monture. Vous l'aurez tout de suite reconnu, le Shimano Ultegra DI2. Alors maintenant, parlons un peu du cadre, qui est un aboutissement de plusieurs années d'études pour permettre à ce vélo de convenir autant pour des athlètes spécialisés dans le contre-la-montre comme Ron Dennis, champion du monde sur route 2019 du chrono avec son TM01, que pour des triathlètes à la recherche de confort tout en gardant une grande performance sur de très longues distances, avec sa possibilité d'avancer la tige de selle tout en ayant des possibilités de rangement pour la nourriture. Tout cela parfaitement intégré tout en gardant un vélo très aéro. C'est bien ici le principal modification apportée à ce cadre, dans la forme en triangle a été modifiée. Elle est particulièrement notable en version triathlon, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Attention toutefois, je ne l'ai pas forcément testé, mais il faut savoir que de passer d'une position de contre-la-montre à une position de triathlon est très simple et rapide. Par contre, la question de la tige de selle qu'il faudra forcément couper pour garder la même hauteur de selle. Donc au final, soit il faut avoir deux tiges de selle, soit vous n'aurez pas d'autre choix que d'opter pour une position contre la montre ou triathlon. C'est un petit point négatif. A noter tout de même la possibilité d'installer à l'arrière une petite boîte de rangement aéro pour y mettre de la nourriture, vos clés de voiture ou une chambre à air ainsi que de l'outillage, mais uniquement pour les versions triathlon. Autre point à ne pas négliger sur ce vélo, ce sont son poste de pilotage intégré qui se veut très confortable, que ce soit en position de recherche de vitesse ou sur les extérieurs lors de freinage ou de relance. De plus, il est très maniable avec une multitude de réglages possibles. Nous noterons toutefois une grande polyvalence de ce vélo qui va vite au plat, mais aussi dans les bosses et sur de longues montées comme j'ai pu le tester. Et pour ne rien gâcher, il est plutôt efficace dans les descentes. Alors dernière petite anecdote, durant le tournage de cette vidéo au lac de Montorge, une dame m'a fait remarquer que les vélos étaient interdits ici. Et moi, pour la contrarier, je lui ai dit qu'il n'était pas autorisé de circuler à vélo, mais pas de promener son vélo, comme elle pouvait le faire avec son chien. Alors elle répond en rigolant, eh bien c'est bien la première fois que je vois quelqu'un promener son vélo. Allez, moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, salut, bye bye.